Hello, salut tout le monde, les gens. Nous sommes jeudi 28 octobre. C'est la course. Il est. Vas-y, Mimi, je t'en prie. Ça, c'est Mimi qui fait ses griffes. Je suis désolée pour le bruit. Il est 9h10 du soir à peu près. Je rentre des courses et tout. J'ai couru dans tous les sens et je suis encore tout essoufflée. Et je vais vous faire un haul de là. Ah zut, de là. De là, là. Voilà. Vous avez même leur numéro de téléphone, c'est pas merveilleux. Alors quand je vous dis qu'il y a des dizaines de trucs, qu'il y en a de partout, que c'est de la folie et que j'ai cru que vous m'en sortez pas, regardez la longueur de toute cette caisse. Bon. Alors à ma décharge, chaque truc passe à l'unité et il y a toujours deux lignes pour chaque article, donc forcément ça fait long, mais il y a 1,50 m, ouais, c'est ça, 1,50 m de tickets. Alors on attaque tout de suite, et en plus il y avait des super arrivages, j'ai halluciné. Il y a du un petit peu du Casey Art, il y a du Studio Light en long, large, en travers, en diagonale. Ah tiens, il y a un truc que j'ai pas vu. Est-ce que tu as vu passer des petits rouleaux de scotch dans une petite boîte en carton? Deux. Non? Ah, j'espère que ça s'est pas perdu. Bon, bref, on va voir. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite parce qu'on n'a pas toute la journée, enfin pas toute la nuit. Bon, il n'y a pas que de la marque, hein. Ça. Alors, ça, c'est pas de la marque. J'ai déjà ouvert certains trucs. Feuilles de papier. C'est top. Je sais pas d'où ça vient, cette marque. C'est top. Créa, c'est moi. Je sais pas, ça a l'air d'être peut-être un truc à eux, je sais pas. Bon, 79 centimes. Des petits papiers de Noël en 20-20. Je pense que ça doit être du 20-20. Voilà. Hop, des petits motifs de Noël sympathiques. Il y a, je sais plus, 6-8 feuilles, je crois. Sapin, petit bidule vert, tout simple. Les rayures. Classique. D'autres rayures. Classique. Et des petits carreaux vert, rouge, blanc. Ah, zut. Ah ben, elles sont pas carrées. Je vous dis du 20-20, mais elles sont pas carrées. Ensuite, on avance. Paf, 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 paf. Je suis déjà perdue. J'ai déjà posé des trucs dans tous les sens. Quelle n'est pas ma surprise quand on détourne un rayon, je tombe sur ça. Ah oui, c'est vrai, non, vous êtes à l'endroit maintenant. Faut que j'y pense à ça. Je tombe sur ça. Alors, 1,50 € et je vois Studio Light Sweet Flowers du 12-12, un lot de 10 feuilles en 12-12. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est? Moi, comme une andouille, j'ai pas regardé sur place, pensant à une collection, ouais, une collection quoi. Bon, bah la collection elle est vite vue. Ah, ça veut pas passer comme je veux. Hop, voilà. Vous voyez, ce sont toutes les mêmes feuilles. Bon, bah tant pis, j'ai des feuilles x10 de Studio Light. Donc d'un côté, c'est rose, ce sont des roses. Ah, désolé pour le bruit. Voilà, des roses un peu déchiquetées. De l'autre côté, c'est des petits motifs. Noir et blanc, je suis désolée, ça brille à travers le plastique, j'ai pas pensé. Puis en fait, maintenant, on peut peut-être pas, c'est puissant, on va peut-être monter la lumière, on va voir. Bref, noir et blanc, bon. 10 comme ça, puis j'ai pas eu de bol, c'est que je suis tombée deux fois sur ce truc-là, voilà. Pareil, 1,50 €, hein. Même chose, toujours Studio Lights. J'arrive pas à trouver le. Voilà. Je vous filme plus dans le même sens pour vous, et du coup, ça m'a perturbée. Donc, même combat, hein, même équipe. Même combat, on va pas changer une équipe qui gagne. 10 feuilles, 10 fois la même. Bon, bah écoutez, je suis bonne pour faire un mini album dans les tons jean et dentelle. Ou avec les fleurs qui sont au dos, vous voyez. Mais enfin bon, c'est du papier de qualité et les motifs, ça aurait pu être bien pire que ça. Donc bon, finalement, c'est pas plus mal que je m'en sois pas rendu compte sur le coup parce que sinon, je me serais posé la question de savoir si je les prenais ou pas. Et je me serais torturée pour pas grand-chose. Voilà, l'autre côté, ce sont des fleurs. Je sais pas si vous voyez, deux grandes fleurs. Sur un. C'est un peu marron, un peu vintage. Bref, on trouvera toujours de quoi en faire. Coucou Lolo, tu viens voir maman? Ensuite, là-dedans, j'ai quoi? Ah, j'ai trouvé ça. Je l'ai ouvert parce que je le trouvais tout mignon. Un petit carnet. Un petit carnet de la marque Lenoir. Je ne sais pas. Dream bigger, do it. Rêve plus gros et fais-le. Dream bigger, hein, vous voyez pas, c'est là que ça brille. C'est là qu'on est sur des trucs qui brillent à cause de la lumière. Assis comme ça. Dream bigger, voilà.
Donc, un carnet, voilà, que j'avais déjà ouvert, vous voyez, pour voir déjà à quoi il ressemblait. Nous sommes sur un carnet à 3,99€. Mais je l'ai trouvé joli. Donc, il y a un aimant. Et je ne sais pas si vous entendez. Oh, bah zut. Enfin, il clip fort. Il clip fort. Et donc, c'est un diary. Donc, c'est un journal. Hein. C'est un journal. Alors, l'extérieur. J'enlève le papier. Voilà. Donc, il est dégradé dans les bleus, verts, violets. Il se termine sur le rose. Live your truth. Vis ta vérité. Et donc, voilà. On a un journal avec les pages de semaine. Puis, des pages blanches. Des pages lignées. Ils savaient pas, ils n'ont pas réussi à choisir, alors ils ont tout mis. Des pages à petits points, des pages à carreaux. Les pages de semaine du début, j'ai pas dû vous les montrer très très bien. Voilà. C'est évidemment écrit en anglais, mais enfin, ça c'est pas très pas bien grave. Voilà. Le papier est assez épais, c'est du papier, c'est 100 grammes. Donc c'est du papier assez épais. On a même toutes les infos sur le bandeau qui était dessus. Voilà, pour le petit carnet. Ensuite, allons-y. Alors, il y a des trucs de Noël dans le tas aussi. Je n'ai pas fait le tri. J'ai un sac, tout est jeté dedans. Et je vous montrerai au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, un truc pour améliorer peut-être les vidéos. Un support pour accrocher le téléphone. Parce que là, tout de suite, vous avez ma lampe au-dessus du bureau. Au-dessus de moi, là, il y a ma lampe. Et le téléphone est accroché à la lampe. Elle est posée sur la lampe, en fait. Avec un scotch, avec un scotch 3D double face. Voilà, donc un petit support bête et méchant hein, qui va venir s'accrocher là-dessus. Oh punaise, c'est costaud. Ben, au moins, ça tiendra bien le téléphone. Voilà, ça va venir s'accrocher là. Ça, c'est un genre de pince. Pas tout à fait une pince, mais un genre de pince. Clac, qui va venir probablement se fixer sur ma lampe. Et au moins, ça sécurisera mon téléphone qui, pour l'instant, est juste posé sur ma lampe. Heureusement que c'est des LED et qu'elle éclaire pas fort. Donc, voilà. Et ce petit bidule m'a coûté... Ah oui, il n'y avait pas le prix sur celui-là. Il a fallu que j'aille lui en chercher un vide pour lui donner le prix. C'est comme ça, dans vos noses, à vous, s'il n'y a pas le prix sur le machin, ils vendent pas. Ils y gardent en caisse, puis ils vous disent « Ah, je ne peux même pas vous le vendre. » Oh, ça m'énerve, ça. Je ne sais plus combien c'était, tu te souviens, chez vous ? 4,99 je crois, ou 3,99 ou 4,99. Je dirais 4,99. Ouais, je tombe pile poil dessus. À qui ? 4,99. Je suis sûre que j'ai rien acheté d'autre à ce prix-là. Donc, c'était ça, 4,99 pour faire des vidéos trop de la mortitude. Ensuite, allez, j'attrape une poignée et on y va. Je suis en train de faire des... Oh non, non, ça c'est pas cool ça. On fait pause. On reprend. Désolé. Le chat faisait ses petites affaires et ça fait du bruit, c'est pas grave. Donc, je suis en train de faire, je reprends ma phrase au milieu, je suis en train de faire des calendriers. L'avant, youhou, j'ai jamais testé. J'essaye, c'est cool. Donc, j'ai fait mes courses à nos, avec ma petite boîte dans ma poche pour vérifier que, ça, que certains trucs rentrent dans ma petite boîte. Bref, on s'en fout. Donc, j'ai acheté plein de choses de Noël pour faire les calendriers de l'avant, pour les décorer, de Noël pour mettre dans les calendriers de l'avant, de Noël pour faire des cadeaux, pour faire des... des échanges avec vous, pour faire plein de trucs. Je ne sais pas ce qui sera des échanges, ce qui ira dans les albums, sur les albums en déco, pas en déco, dans ma déco perso, bref, j'en sais rien. Je vous montre. J'ai trouvé des petits sequins assortis, donc toujours la marque C'est Top, là. Et j'ai 6 petites boîtes, dommage, j'avais que du rouge. Mais donc on a des étoiles, des... quoi ça, c'est des petits cadeaux. Des petits cadeaux, des petits sapins. Des flocons, des... petits anges, des grands anges. Voilà, des anges. On les voit là. On les voit là. Voilà, on les a ici. Voilà, des sequins. C'est où? C'est là. Des sequins, très Noël. Des petits sequins, voilà. 50 centimes. Hop. Des petits sequins. Et alors, au rayon de Noël, comme ça, là, ils étaient en train de l'installer. Mais c'est pas la peine. J'ai passé 2 heures dans le magasin, j'aurais pu y passer 4 heures. J'aurais pu doubler la note et j'avais encore pas tout. Allez voir. Ah, blablabla. Des. Alors allons-y. Des petites étoiles. Je suis désolée pour les bruits. Voilà. Des petites étoiles en plastique, je pense. À paillettes. Ça pue la paillette. Il y en a partout. Ça dégueule de partout. Gaffe à la paillette. Alors, ça, c'est des trucs, vous savez, c'est dans les géants, les carrefours, n'importe quoi. Ces étiquettes, on les connaît bien. Vous savez, c'est ces grands présentoirs en bois. En bois. Non, en carton.
où il y a plein de trucs dedans, les foires à 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, où il faut se méfier. Des fois, il y a des très bons plans et des fois, on croit que c'est pas cher parce que c'est là-dedans. Et finalement, ça revient plus cher que dans les autres rayons. Mais donc, ça vaut à la base 2 euros. Et donc là, vous voyez, c'est marqué décote de combien? Moins 50% sur le prix de l'étiquette. Décote 50% sur le prix de l'étiquette, donc 1 euro. Voilà, les petites étoiles. Ensuite, en vrac, un ruban. Du doré, du rouge, du ruban, de la nettoile. Un ruban 3 mètres. Il y en a 3 mètres, 2 cm 5, 3 mètres, 100% polyester. Bon, 79 centimes. Noyel. C'est Noyel. Des petites étoiles en feutrine. Ah, je suis désolée pour le cadrage. Verte, blanche, rouge. Il y en a 3, 6, 9. 3 de chaque. À la base, elles valent 1,69€. Là, 0,99€. Mais j'ai une étiquette qui s'est barrée. Elles étaient décotées aussi par rapport au prix de la étiquette. Donc à 50 centimes, ça m'a fait... Enfin, décoté moitié prix, ça les fait à 50 centimes. Ensuite, même rayon, même topo, même bazar. Des petits stickers. Donc il y a trois planches. Non, on est à l'envers. Enfin, vous êtes à l'envers. Enfin, nous sommes à l'envers. Enfin, c'est la fête, c'est l'envers. Je pense qu'il y a les trois. On va quand même vérifier. Celui-là avec les bonhommes de neige, les étoiles, les sapins. Celui-ci avec... Oh là là, ça brille, malheur. Ma lampe qui brille. Mais on va le pousser, ça marche mieux là. Voilà, alors celui-ci avec le... Mais, chut, le ruban. Notre pote bonhomme de neige, non, c'est un Père Noël, les petits angelots, les bougies et les cloches comme moi. Et la dernière avec des sapins stylisés, des étoiles, des petites lunes. Voilà, les petits stickers. 59 centimes. Puis, ah non, ça fait tomber, reste là. Ensuite, du maxi flocon. 99 centimes. Au lieu de 3,99€. Ça vaut 4 euros ça à la base. Oh, sérieux. Non, oh, maman. Il y a combien il y en a? 3, 4, je ne sais pas. Il y en a 4. C'est 1 euro pièce, non? 1, 2, 3. Ah non, je suis tombée. Vous voyez tout? Ça va pas du tout. Combien qu'il y en a? 1. Ah non, 2, 3. Oh, bah dit. 4, 5, 6. Donc normalement, c'est pour mettre dans le sapin, hein. Oui, alors, accroché comme ça, je suis pas sûre d'y mettre... Je suis pas sûre que ça tienne bien longtemps. Mais donc, 6 grands flocons, je me dis que en feutrine, comme ça, pour décorer un calendrier de l'Avent, pour une carte, pff, avec un gros flocon, ou je ne sais quoi, c'est toujours sympa, la matière est douce, c'est agréable au toucher. Il y a moyen d'en faire plein de petites choses. Donc, et maxi flocon. Hop, maxi flocon. Ensuite, maxi flocon, mini flocon. Oh, puis ça tombe tout par terre. Mais ça, c'est pas Noyel. Pourquoi t'es là? Tu devrais pas être là, t'es pas Noyel. Noyel, encore Noyel. Alors, à l'origine, 2 euros. Décote 50% du prix de l'étiquette. Donc, 1 euro, 3, 6, 8. Pinces de Noël. Des petites pinces en bois. Oui, c'est marqué 8 pièces. Des petites pinces à linge classiques. Pas si on voit. Oui, voilà, de profil. Avec des petits en mélaminé, des petits flocons rouges. Sur fond blanc, tout mignon, tout sympa. Voilà. Pour des échanges, pour accrocher des petits trucs et tout. Dans, exactement dans le même esprit, des pinces toujours. Des petites pinces. 8 aussi. Hop. La marque, c'était quoi? C'est je sais pas quoi là. C'est je sais pas quoi. Bon, je sais plus. 99 centimes. Et là, c'est des petits boutons. Alors, for you. Good news. Stories for you. Là, on a quoi? Christmas, Christmas, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Is where the heart is. C'est quoi ça? Home is where the heart is. La maison, c'est là où est le cœur. Et là, la même chose. Oui, voilà. Oui, c'est les deux, c'est les mêmes. Deux, 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 deux. Et le dernier, c'est quoi? Winter, love, home, warm, home, love, winter. Voilà. Voilà, pareil, pour accrocher des choses à des petites créas et tout. Bien sympa. Noël, encore et toujours. Oui, mon fait craquer la petite mille. Ça vaut 2,50€ ces conneries au départ. Ces cochonneries. Et là, donc, 1 euro. Deux petits. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas.
C'est des petits anges, c'est les petits lutins du Père Noël, c'est quoi? Je ne sais pas, des petits lutins qui avaient froid, qui portent un petit cœur dans leur mimi. Je trouve tout mignon. En bois. Qu'est-ce qu'ils deviendront, mystère et boule de gomme? Ça sera peut-être dans ma déco, je ne sais pas. Noël encore et toujours, des aimants en verre. Rayés rouge et vert, à flocon vert, à flocon rouge, à flocon rayé rouge et vert. Bon, sur le frigo ou pour fermer un truc. Ils sont très très épais, alors je ne sais pas si ça ira dans une créa, j'en ai aucune idée. 79 centimes, ah je vous ai pas dit les petites coupées, 99 centimes, si je vous avais dit. Bon bah voilà, c'est fait. Ça, alors j'ai pas trouvé les autres. Oui. Alors, j'aurais voulu trouver les lots ensemble, mais j'ai pas gagné. Si, j'ai trouvé ce que je t'avais demandé tout à l'heure. D'accord. Le principal, c'est que ce soit là. Bon, alors, ensuite, Noël. J'essaye de faire le Noël d'abord. Enfin, le Noël un peu tout ensemble, mais je vous promets que c'est pas facile. Noël, joyeux Noël. Oh là là, n'importe quoi. Alors, Noël. Bon, allez, en plus grand. 79 centimes. Deux feuilles de papier autocollant. Washi paper. Voilà, du sapin. Autocollant. C'est des grandes feuilles. Hein. C'est des grandes feuilles à peu près à 4. Enfin, c'est un format. Non, je pense que c'est un format américain parce que ça me paraît plus étroit, mais bon, à peu près. Et l'autre. Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Motif sapin stylisé et flocon rouge et blanc. Oui, alors ça, c'est des flocons. Moi qui habite en montagne, j'ai jamais vu de flocons de neige de ma vie. Enfin, bon, voilà. Papier autocollant. C'est moi qui te fais rire ou c'est ton truc? Hein? C'est moi. Bon, bah, écoute, j'ai pas tout perdu, encore une fois. Ensuite, j'ai pas tout trouvé. Ça, je devrais en avoir deux. Ça, je devrais en avoir deux. Ça, bah, si, j'en ai deux. Bon, alors ça, j'en ai deux. Ah, bah, ça, il y en avait qu'un. Hop, on y va. 2,99 en temps normal, ça coûte une fortune. 0,99 et encore des flocons. Des maxi flocons de Noël en plastique à paillettes que j'en ai partout. À coller à droite à gauche, je ne sais où. On verra. Voilà. Ensuite là, hop, il y en a deux. Est-ce qu'il y a un prix? 79 centimes. Des embellissements adhésifs. Alors, c'est des petits boutons. Pour la plupart. Enfin, plus que pour la plupart. Tous deux trous, même ça, qui sont pas censés être des boutons, ils y ont fait des trous. Des petits embellissements, donc là dans les tons de doré, beige, doré, hop. Deuxième plaque, dans les bons vieux rouge et vert classiques de Noël, du Papa Noël, voilà. Alors ça, vous en trouvez, il y avait deux grands bacs avec des trucs comme ça, ça, les étoiles que je vous ai montrées, les petites pinces à linge, ça, alors j'ai pris les autres aussi, mais j'ai trouvé que ceux-là dans mon sac pour l'instant. C'est des petits fanions, papier adhésif, c'est des post-it. Donc là, c'est dans les couleurs argent et or, pareil, hein, joyeux Noël, c'est avec ça, quoi, voilà. Et puis, bah, y a ceux qui vont avec l'hiver et avec cela. Donc voilà, des petits fanions. Alors tout ça, ça va être des trucs soit pour décorer les créas, donc ça c'était à 50 centimes, soit pour aller dans les calendriers de l'Avent, soit pour je ne sais pas, je ne sais quoi, bon. Quand je trouverai l'autre, je vous montrerai. Mais c'est mon sac, c'est un joyeux bazar. Tout est jeté dedans. Ça, pareil, j'en ai deux. J'ai les mêmes en argent. C'est des petites étiquettes pour les cadeaux. Elles sont même déjà marquées au milieu, vous voyez, pour le pli. Pour plier. Alors, et la ficelle est sympa. Et l'étiquette est sympa. Maintenant, dans une créa, alors 50 centimes, mais 6. Il y avait argent, or et rouge. Mais rouge, elles étaient unies d'un côté. Là, unis d'un côté. Et de l'autre côté, c'était un dessin avec un Père Noël, mais très très enfantin. Donc, bon. Voilà. Donc, hop, une petite étiquette. Ça fait ça. Voilà. Hop, accroché au cadeau. Vous la pliez en deux. Je ne vais pas la plier parce que. Voilà. Mais le papier est sympa. Avec du foil doré. Bon, bah. Pour faire des tags, pour faire des petites étiquettes, pour faire des petits embellissements maison. C'est des petites choses qui ne se perdent pas. Ça sert toujours. Qu'on s'en serve tel quel ou pour bricoler par-dessus, ça sert toujours. Hop, ensuite, 50 centimes. Encore du ruban. 1, 2, 3, 4, 5 rubans. 15 mm de large chaque ruban. 1 mètre de chaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rubans pour 50 centimes. Noël. Hop, allez, on fait une petite excursion. Si on a encore Noël. Ah, j'ai craqué, je l'ai trouvé trop beau. Alors, normalement, c'est pour pendre au sapin.
J'ai trouvé. Oh, mais il m'énerve, j'ai un reflet tout pas terrible de la lampe. Regardez-moi ce petit sapin. Yep. Je l'ai trouvé trop beau. Et pour une fois, les animaux, cerfs et biches, je les ai trouvés jolis. D'habitude, quand c'est des trucs stylisés, alors soit on met des bois à la biche, soit ça ressemble à des chevreuils, soit. Enfin bref, c'est tout moche. Et là, je les ai trouvés très très jolis. Le petit sapin, il est mignon comme tout. Je me dis que pour coller sur un calendrier de l'Avent, en plein milieu, pour commencer la déco, puis bricoler autour, ou je ne sais quoi. Je trouvais ça très sympa. Il y en avait une dizaine de modèles différents. Mais bon, voilà, 1 euro. Vu ce que j'ai vu ça en fin de course-poursuite là-bas. J'ai dit, on va arrêter, sinon j'en aurais bien pris 2 ou 3. Il y avait des petits Pères Noël, il y avait évidemment des Pères Noël, des bonhommes de neige. Mais celui-là, je l'ai trouvé trop mignon. Je tombe dessus. Là, il m'a fait mourir de rire. On dirait qu'il est tout nu. Ah oui, c'est rire de rire. Le Père Noël qui va vous livrer vos cadeaux en trottinette. Ça, c'est du Père Noël 2021, moi je vous le dis. Il n'est pas trop mignon, lui. Il n'était pas au même rayon que l'autre, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé, mais voilà. 99 centimes aussi. Et j'ai dit, ça c'est. Ah, c'est le kiff, le petit kiff. Ah, j'ai trouvé trop mignon. Et puis des petits chevaux de bois. Donc ça vaut 2,49 €. Punaise, 2,50 € ce truc. Eh oh, franchement, il se mouche pas du coude. Et là, donc c'est à 79 centimes. Et il y en a trois. Trois, ouais. Trois petits Pégases. Des chevaux à ailes avec des ailes. Des petits chevaux à bascule avec des ailes. Ils sont censés coller avec un mini scotch 3D, mais bon, on verra. Hein, on a de la colle, nous, qui colle. Mais voilà. Mignon. Bon, allez, on quitte un peu Noël, vite fait, pour des petits. D'autres trucs. 50 centimes, pièce. Bon, pour ce que c'est cher au final. Mais bon, bah, ma foi. C'est aussi pour des échanges, voyez. Hop. La preuve, j'ai pris en double. Donc, des petits pochoirs. Alors là, il y a l'ananas. J'ai le capteur de rêve, quelque part, je ne sais où. Ah, je ne veux pas rien l'enlever, ça. Bon, j'en ai plus tard. J'ai le capteur de rêve, je ne sais où. Et j'ai des cactus, je crois, aussi. Mais on verra après. On verra quand on les trouvera. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a toute une collection de ça. Ah, tiens, si. Regardez. Hop, le capteur de rêve. J'ai remis la main dessus. Celui-là, je vais me le garder. Il n'y en a qu'un. Désolé pour vous. Hop, je suis retombée sur un petit nid. Alors, le petit nid. Tiens. Les mêmes étiquettes que les dorés. Alors, les dorés, c'était des flocons de neige. Celui-là, à la limite, ça fait même pas Noël parce que c'est des fleurs. À part le côté argenté qui fait Noël, mais bon, l'argent, c'est pas limité à Noël. Voilà, donc je rappelle que ces petites étiquettes étaient à 50 centimes. Ensuite, Noël, qui fait Noël et qui fait Noël. Hop, des petits sapins. Je me souvenais même plus que je les avais pris, ceux-là, vous voyez, à force. Des cotes à moins 60%. Donc, 50 centimes moins 60%, je vous laisserai faire le calcul, j'ai la flemme. Mais ça fait pas cher. Parce que 50 centimes, 50%, ça fait 25. Donc là, on est à 20 centimes, quoi. Les petits sapins en bois à décorer. Bon, les petites étoiles en bois qui sont déjà décorées, elles sont toutes en peintes, en métallisé. On a du bleu, on a de l'argent, du rouille, enfin orange, rouge, rose, rose magenta, vert, or, évidemment. Et les petits stickers. Et elles sont à 50 centimes. Ça, c'était trop mignon. Alors, non, j'en ai d'autres, je vous les retrouverai. Alors, 50 centimes encore, les petites étoiles argentées. Voilà, toutes des petites étoiles argentées de différentes tailles. Ça, je vous ai montré. Alors, attendez, parce qu'en même temps, je fouille. C'est pas bien, hein. Ah, si, ils sont là. Alors, ça, je vous avais montré les dorés tout à l'heure, vous savez, les petits fanions. Hop, et là, donc, c'est ceux qui vont avec les embellissements. Or et rouge et vert. 50 centimes aussi. C'est des post-it, hein, encore une fois. Ah, les post-it, j'ai acheté tous les post-it de la planète cet après-midi. Comment ils appellent ça? Adorable. C'est ça, adorable pacotille. Ils appellent ça. Bougez pas, les adorables pacotilles que je vous montre. Hop, j'enlève l'étiquette. Ah, mais ça brille. Adorable pacotille. C'est cela. Donc, c'est 50 centimes. Alors, j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait 5-6 modèles différents. Il y avait des cupcakes. Avec les gingerbread, vous savez, les petits bonshommes en pain d'épices. Il y avait des Pères Noël. Il y avait plein de trucs. Et là, il y avait ceux-là. Alors, ceux-là, moi, ils m'ont bien amusé. Est-ce que je vais arriver à en attraper un ou deux? Est-ce que vous allez voir le Père Noël? Alors, il est mauve, hein, le Père Noël, là. Mais bon. Père Noël avec un bonhomme de neige. Le cadeau sur son traîneau, très stylisé. Là, c'est pareil, c'est avec le sapin. Il est tout seul, monsieur Père Noël. Avec, ah oui, voilà. Monsieur Père Noël avec le sapin.
Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah dans un sens ou dans l'autre, puis il y en a un autre où il est avec, uniquement avec les cadeaux. Il a une tête, hein. Là c'est juste que je lui ai coupé la tête avec l'étiquette. Et voilà, les adorables pacotis à 50 centimes. Il y en avait plusieurs modèles qui étaient très sympas. J'ai pris les petits sapins. Pardon, désolé pour le bruit. Les petits bonhommes de neige, les petits Père Noël et les petits sapins stylisés. Voilà, avec la petite, toujours avec la petite étoile au sommet. C'est voilà, c'est fun. Alors ça c'est Noël. Moi j'ai décidé que c'était Noël, mais c'est. Il est où le bout? Où qu'il est le bout? Il est là. Ça m'a éclaté ça. Et on s'éclate avec ce qu'on peut, hein. Ruban, 2 mètres, mini pompon. Là, voilà, 50 centimes. Ça m'a éclaté. Dis ça pour Noël, on a déjà la neige accrochée en petit ruban. Et puis si vous saviez, par chez moi, la neige, quand elle commence à tomber, si on est au chaud le lendemain, on la regarde faire, on dit « Oh, t'es beau !» Et si on n'est pas au chaud le lendemain, on dit « Oh, c'est moche, caca-boudin, crotte de bique, comment on va faire demain ? Imagine si ça remet un mètre pendant la nuit, et tous les touristes qui vont venir se mettre en travers de la route alors qu'ils n'ont pas d'équipement. » Bref, on s'en fout. Oui, les monchus. Haha, vous ne connaissez pas ça. Les monchus, chez nous, les touristes, on les appelle les monchus. C'est les non-savoyards. Allez, j'arrête de faire ma vieille coco. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Du Karen Foster Design. Karen Foster, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est chère quand même. De craft, de loisir créa, et bien sympa. Et là, j'ai trouvé des rubans. Alors non, il n'y en a pas quatre, il y en a deux en fait. Hein, parce que c'est deux fois les mêmes. Donc on va virer ceux-là qui sont déjà... Hop. Voilà. Alors, ceux-là... Du petit croquet très fin bleu marine, des petits pois, des petits carreaux et ces petites cocardes bleues sur un fond jaune pâle, c'est pour ce qui est plus top, mais bon. 50 centimes, 1 yard chacun, 4 designs. 1 yard c'est presque 1 mètre, hein, c'est 95 centimètres, je crois. Donc il y a 1 mètre de chaque et les deuxièmes, la collection été. Printemps, donc bah, on verra au printemps. Des petites fleurs jaunes, des petites narcisses ou des petites jonquilles. Des petits pois blancs, du croquet mauve et du petite fleur toute fine, très très fine, très très, je sais pas si vous allez voir, très très fine, voilà, 50 centimes. Hop, du ruban, du ruban, du ruban, du ruban. Ensuite, je sais pas, ce sera peut-être pour les calendriers de l'avant, pour je ne sais quoi, voilà, Smiley World, des petits smileys. Ça pèse très très lourd, c'est des aimants, hein, c'est des magnettes, mais en fait toute la plaque est magnette, donc faut récupérer même le reste du magnette, mais voilà. Des petits, voilà, ça complétera un petit cadeau dans un calendrier de l'avant ou des petites créations, je ne sais où, en les découpant, je ne sais quoi. 2 euros, des cotes à 60%, donc 1,20 euros, 80 centimes. Ça m'a coûté 80 centimes. Voilà. Alors, quand je vous dis que j'ai acheté tous les post-it de la planète... On passe à ça. J'ai retrouvé, je continue. C'est petit bonheur la chance selon comment je trouve dans le paquet, hein. Dans le sac. C'est la suite de tout à l'heure, 50 centimes, les petits cactus. Les petits pochoirs. Merci de m'aider. J'ai les deux chats autour, j'ai le bonhomme, il n'y a personne qui me file un coup de main. Et donc du post-it. On verra. Donc, du lama. Vous savez, c'est les petits marque-pages. Pour mettre directement bah, au bord des pages, comme ça. Pour marquer même carrément la ligne, hein, en fait. Là, on marque plus qu'une page, c'est du marque-ligne presque. Voilà. Alors, il y en a quatre modèles différents. Là, ces quatre-là qui sont répétés en bas. Je sais pas, c'est la mode du lama et du paresseux quand même, hein, depuis quelques temps. On trouve pas mal de lamas à droite à gauche. Des paresseux. Donc voilà, les lamas. Hop, et de deux. Après, dans la même gamme... Ah bah il en manque, parce que ça, j'en ai plusieurs aussi. Là, c'est les licornes. Ah oui, je ne vous ai pas donné le prix. Ceux-là sont à 69 centimes. Les petites licornes, pareil, 4 répétées en bas. Je m'approche trop, sinon il n'y a plus de lumière. Voilà. Sticky page marqueur avec la licorne cachée sous l'étiquette. Tant pis pour elle. Elle ne respire pas, c'est pas grave. Pareil, dans le même genre, on a les fruits. Il n'y en a pas un qui n'a pas d'étiquette. Non, bah donc on va regarder les deux. Donc le gros ananas. Le gros ananas. Et les 5 petits fruits, le citron, la pêche, le ananas aussi, la pastèque et la poire, on va dire.
petits fruits comme ça. Hop, à 69 centimes. Voilà. Dans les petits comme ça aussi, je sais où, c'est là. Et ça c'est... Ah, ici, hop, le petit cactus. Ah, et celui-là, il n'y a pas de ticket. Le cactus avec ses petits potes cactus. Voilà, donc même chose, 69 centimes, les petits cactus. Puis, le petit renard, mon petit copain, mon copain. Ça pourrait être mon chat d'ailleurs. Loulou, ça te ressemble ça, regarde, c'est toi, presque. Et ça c'est Mimi. Et ça c'est mon autre chat, presque. Bon, beaucoup plus blanc, mais voilà. Et le petit chat. Et donc ceux-là sont à 69 centimes aussi. Voilà. Et pour finir, beaucoup moins figuratif, on a des petites formes toutes bêtes, toutes simples. Hein, petit carré, petit fanion, petite bulle, petit rectangle, petit bidule, voilà, pareil. Même chose, 69 centimes, du sticker, du post-it. Et puis du coup, après le post-it, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écrit sur le post-it. Puis quand on s'est trompé, alors je suis tombée sur ce truc. Très bizarre, hein, ça fait bizarre. C'est vraiment emballé, réemballé, déballé. Et on sentait qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Alors ils ont fait un lot. Vous voyez, un lot, il y a 36 machins. Alors voilà ce que c'est. Ces petites gommes. Comment on appelle ça? Les coquichis? Non, les petites poupées comme ça. Je ne saurais pas dire. Les coquichis, je ne sais pas. Busquets, ça doit être la marque. Et donc, des petites gommes, toutes mini, toutes mignonnettes. Assez grosses en plus, hein. Je dirais, elle n'est pas petite, hein, la gomme. Voilà, petite gomme. Voilà, jolie petite gomme. Qui se vendait 50 centimes pièce à la base. Puis du coup, ça les a saoulés. Donc, ils ont pris un grand sac, ils ont mis 50 centimes. Et dedans... Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Couler de la gomme. Donc ça, je pense que pour des échanges, et puis dans les calendriers de l'Avent, je pense que chacun aura sa petite gomme. Je vais m'en garder une, parce que j'ai toujours du mal à me trouver une gomme. Donc j'aurai une petite gomme, puis les autres, je pense qu'on trouvera à offrir des petites gommes. Voilà, hop, des petites gommes. Six petites gommes à 50 centimes. Le chat a décidé de tuer le canapé. Ensuite, même chose, calendrier de l'Avent et tout petit quanti avec des petits pins. Hop, donc là on a un petit chien, un nonos, c'est un peu nul, et le petit cœur marqué dogs. J'aurais voulu avoir trouvé les chats, mais j'ai pas trouvé, donc vous voyez, c'est des pins. 79 centimes. Alors il y avait ça, ou alors il y avait le burger, la barquette de frites et le coca. Comment dire? Non. Ah, bah ça, le truc, voilà, ça sert toujours, encore et toujours, toujours, toujours. Les petites bulldogs, les petites pinces bulldog noires, classiques, basiques, de bureau, traditionnelles, toutes petites. Hein. Elle doit faire 1,5€. Ah, bah 19 mm, voilà, c'est les toutes petites. Les 19 mm, la boîte de 12 pour 50 centimes, franchement. Pourquoi ne pas acheter ça? Parce que... Et pourquoi l'acheter? Parce que ça sert toujours, 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 toujours. Que ce soit pour fermer un paquet de pâtes, pour tenir une création pendant qu'elle sèche. Ah tiens, ou pour tenir les bois-boîtes du calendrier de l'Avent. Les 75 milliards de tonnes de bois-boîtes. On continue. J'en peux plus, je fatigue. Mais il y en a encore, hein, je vous assure, on n'a pas fini. Allez, on continue. Aladdin. Chac. Des... Il est où l'autre? Il est là. Des pochoirs Aladdin, des pochoirs adhésifs d'Aladdin. Donc bon, hop, Aladdin. Pochoir adhésif, 1,50€. Et il y en a, je ne sais plus, oui, fois 14. Là, il y en a 14, alors je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils appellent 14? 1, 2, 3, 4, 5, non, 14 d'épaisseur, 14 quoi? Ah, puis je suis obligée de l'arracher si je veux l'ouvrir pour voir. Parce que ça, il y a des chances pour que ça parte dans un cadeau, dans un truc 1,50€. Allez, on va l'ouvrir. On va voir ce que c'est. Qu'on sache quand même qu'on meurt pas trop bête. Choix adhésif, d'accord, mais... Oui, voilà. Donc, il y a deux pages. Et donc, ils disent 14 parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2 égale 14. Je pense que c'est ça. Mais comme j'en ai deux différents, ben, je ferai les pochettes où je mélangerai les deux comme ça. Quand je les donnerai, j'enverrai les deux modèles, les deux motifs aux deux personnes, a priori. On remet dedans.
si on y arrive. Donc 1,50€, les petits pochoirs adhésifs Aladdin, lavables et tout et tout. Bon, voilà, moi je ne suis pas sûre de les garder pour moi, mais pour un échange, je me dis que c'est des trucs qui doivent coûter relativement cher en temps normal. Donc voilà, puis on n'a pas toujours des idées. Alors voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Après, ben, on y va en vrac. En vrac, des fleurs aimants. Voilà. 69 centimes, j'en ai pris deux lots parce que... Donc déjà, elles aimantent bien, elles se tiennent déjà vachement bien ensemble. Vous voyez, je tiens qu'un paquet, j'ai l'autre qui... Donc eux, ils les mettent pour tenir les rideaux, apparemment. Ah, d'accord. En fait, c'est des... D'accord, oui, c'est pour tenir... C'est ça, c'est pour tenir les rideaux. C'est-à-dire que la fleur n'est pas aimantée, mais je pensais que l'aimant était collé dessus. Mais non, il est à part. Et en fait, ça vous permet de mettre la fleur du côté de votre rideau qui se voit et l'aimant de l'autre côté qui ne se voit pas. Vous voyez le petit schéma? Bref, quoi qu'il en soit, ça fait au moins 6 aimants à récupérer. Et éventuellement, bah, sur un album ou n'importe quoi, quand on a besoin de mettre des aimants, bah, on met les petites fleurs là à la place des aimants à l'extérieur. Ça fait une déco. Je me dis que ça peut être sympa. Je trouvais ça mignon. Donc voilà, de l'eau. Pour ce que ça coûte, voilà, on peut tester. Alors, les stickers, on verra après. Non, bah, on va aller un peu dans cette série-là. Alors, on retourne sur Noël, mais là, c'est des petits des transferts à sec. Je sais plus comment on appelait ça quand on était gosse. Vous savez, c'est les trucs à gratter, là. Il y a le bâton de glace, là. À gratter pour que ça se transfère. Les rubonnes, ils s'appellent ça, maintenant. Transfert à sec, bon. De Noël et en français. Joyeux Noël, Noël, Noël. Belle fête, joyeux Noël. Avec un Père Noël qui fait des sourires. Et il sourit tellement qu'il en a les yeux fermés. À chaque fois qu'il sourit, il a les yeux fermés. Et le renard, c'est pareil. Voilà. Et même le renne. Il peut pas sourire les yeux ouverts. On a un copain qui était comme ça. Voilà. Donc, même chose, hein, vert et rouge. Et puis, la série, alors là, c'est pas les dorés, mais c'est la même chose. Exactement la même chose, mais c'est en français. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne fête. Bonne fête. Joyeux Noël. Rouge et bordeaux. Ça change. C'est sympa. C'est écrit en français. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de partir avec. Et ben, on va quitter Noël, je crois. Est-ce que j'ai encore du Noël qui traîne au fond? Sûrement, hein, mais bon. Ça, c'est quoi? Ça va là. Ça, c'est quoi? Ah, tiens, oui. Encore un petit peu de Noël. Un ruban. Ça faisait longtemps. 60 centimes. Par contre, je sais absolument pas combien il y en a. 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 20 mètres, je ne sais pas. Et il y en a petit adhésif. Viens te décrocher, petit adhésif, que je montre à tes potes, à nos potes. À quoi tu ressembles? Ah, mais bon, dis donc. Il risque pas de se marrer, Oujo. Voilà, hop. Petit ruban de Noël avec des nez étoiles. Rouge, argenté et bordeaux. Enfin, argenté. C'est grisé, hein. Il n'y a rien qui brille, mais voilà. Hop. Ça, on vire. Et si on reste dans les stickers? On quitte Noël, mais on reste dans les à peu près stickers. Alors, on dit gaiement. Celle-ci. Sur Londres, alors c'est des étiquettes, au départ, vous savez, les étiquettes qu'on met sur les livres à la rentrée, là, pour mettre qui ça appartient. Julien, Jean-Jacques, Paul, 5e, E. Voilà. Hop. Donc, sur Londres, j'en ai pris de l'eau parce que... alors, elles sont toutes, je vérifierai, mais sans exception, il me semble qu'elles sont toutes à 50 centimes. J'en ai pris de l'eau parce que, voilà, à ce prix-là, elles sont mignonnes. Et j'ai, dans les blocs actions que j'ai achetés dernièrement chez Vinted, il y a un bloc, entre autres, sur Londres et les États-Unis, donc ça permettrait de décorer un peu si on faisait un mini ou des cartes avec. Donc sur Londres, puis celle-ci, c'est des étiquettes, exactement le même principe. Hein. Là, c'est Julie, Paul, Pierre, troisième. Mais c'est pas tant pour l'étiquette, moi je pense que je vais la couper, mais c'est pour les petites phrases à côté. On n'a tellement jamais de sentiment en français. Être des amis inséparables, c'est notre affaire. Ose rêver de ce qui te plaît. Je suis la reine de mon destin. Chaque rêve est une promesse. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Que l'amour soit ton énergie vitale. Mon amour n'arrête jamais de rêver. Le bonheur est un choix. 50 centimes aussi. Voilà, j'ai trouvé toute mimi. Oh, j'adore les chats, on le sait. La preuve, même quand ils grattent à côté de moi alors que j'essaie de parler, je ne les gronde pas. Elle va se cacher dans son... Ah non, elle va jouer. Ça y est, qu'est-ce que tu attaques? Ah, je sais pas, mais il y en a un qui va souffrir, je crois. Voilà, des petits chats. Donc, pareil à découper. Bref, hein, voilà, des petits chats.
Ça peut être quand j'écris une petite carte à ma soeur ou n'importe quoi. Les petits chats, les petits chats, les petits chats. Et ça, alors ben voilà, volume 2. Thought Bubble Doodle, volume 2. Et donc ça devait être les Thought Bubble Doodle, volume 1. Mais ils ne devaient pas savoir qu'ils allaient faire un volume 2. Donc des petits doodles, voilà. Des petits doodles. Un chat obèse qui est une bulle de... Bon, je ne sais pas. Des bulles qui font la qui sont colère, s'il veut hacher quelqu'un. Des bulles qui sont toutes contentes, des bulles bizarres. Des petites bulles, voilà. Et d'autres petites bulles. Bon, il y a deux, trois petits mots en anglais. Wake up! Réveille-toi! Mais je vais t'assommer. École. Bon, voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est mignon. Ou à offrir, ou à utiliser dans un bullet pour du journaling, n'importe quoi. Bon, voilà. Des petits stickers. Puis des... Alors, pareil que les lots de gomme. Vous voyez? Parce que ça, normalement... Ça se vendait à l'unité, voilà, comme ça, à 50 centimes. Et puis, il faut croire qu'ils ne les ont pas tant bien vendus. Donc, ils ont fait un lot à 1 euro. Alors, je ne sais pas si c'était 50 centimes ou 1 euro, d'ailleurs, l'unité. Mais ils ont fait un lot à 1 euro. Et donc, et ils sont tous différents. Si, si, je vous jure, j'ai regardé. Donc, tout ça, c'est tous des petits embellissements pour du scrap autour de l'enfance, des enfants, de la naissance, des nouveau-nés. Voilà, on va les passer un peu rapidement. Très enfantin, mais mignon. Waouh ! Ça y est, j'ai les chats qui se mettent à revendiquer que c'est l'heure. L'heure de... je sais pas quoi, mais c'est l'heure. Hop. Ils n'ont pas complètement tort, hein. Ça va faire une vidéo d'une heure passée. Malheur. J'ai l'homme qui est en train de s'auto-digérer là à côté. J'ai la dalle, je veux manger. Il y a le poulet du marché qui sent bon et qui me dit j'ai faim. Enfin non, lui il a pas faim, mais... J'ai faim quand même. Non, mais le poulet il a pas faim. Le poulet il a pas faim. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaques. Il y a beaucoup d'emballage hein, quand on a fini d'enlever ça. Il n'y a plus grand chose, mais voilà. Pareil pour des créations, pour des cartes, pour du scrap. Pour des échanges, pour tout ce qu'on veut, voilà, 1 euro, la totalité, ça fait pas cher, parce que 5, ça ferait 20 centimes pièce, et là, ça fait moins de 20 centimes pièce, donc voilà, quand on sait ce que ça coûte en temps normal. Ah si, c'est un aimant aussi, oui, c'est ça, c'est un magnète de frigo de Picole sur ma lampe, oui, ça va venir la copie, ou body, ouais d'accord, c'est tellement aimanté que ça tient pas son propre body. Ok, il faudra que je rajoute un truc où j'en fasse un porte-clés, ou j'en fasse un embellissement, n'importe quoi. J'ai trouvé mignonne, cette petite chouette. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça deviendra, mais ça deviendra un truc. Parce que l'aimant qui est au dos n'est pas assez costaud. Par contre, les aimants, il y avait les smileys, il y avait des aimants... Ouais, j'ai pas mal d'aimants par là. Non, il y a peut-être moyen d'en rajouter un. Elle est pas mignonne, cette petite chouette, avec son petit collier, son petit nœud dans les oreilles. Je la trouve toute mimi. Voilà. Dans le pratique simple générique pratique, hop, de la colle blanche 150 ml, c'est à dire un peu plus gros que les flacons d'Action normalement, mais à 55 centimes, donc moins cher que celle d'Action, sinon j'achetais pas, mais celle d'Action est à 99 ou 95 centimes, je sais plus, enfin 1 euro, ça doit être les 100 ml, à moins que ce soit les 150 peut-être, mais enfin elle est ou au même prix ou moins cher que celle d'Action. Donc, voilà, et j'ai dit, bah, on va essayer, j'espère qu'elle colle. Ça se trouve, c'est tout caca boudin. Hein. Idéal pour la maison, bureau, loisirs créatifs, bricolage, maison, bureau, colle, les bois, le papier, le carton, le liège, et autres. Oui, bref, c'est une colle blanche, hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire un... Mais le flacon est pas mal fichu aussi, moi, à part que celui-là, il a pris une tonche, j'espère qu'il ne va pas percer. Le flacon très étroit, comme ça peut être pratique à ranger. Et l'ouverture, bon, bah, c'est l'ouverture exactement comme les flacons d'Action. Hein. Ah, petit bouchon comme ça. Mais même ne serait-ce que pour garder le flacon, pour transvaser quand on a des grands pots, je trouve ça pratique. Donc de la colle. Ensuite, bah, je m'en suis déjà mis sur les doigts de la colle, vous voyez. Hop, du ruban. On n'en avait encore pas assez. Bleu, mauve, voilà, paf, paf. 59 centimes, la bobine de ruban, du satin de 9 mm de large, 18 mètres de long. Et bien avec ça, on peut enrubaner. De la Sifel, 79 centimes, il y avait la petite, la grande, 3 mm, 40 mètres. Il y avait les 40 mètres et il y avait 80 mètres.
Bon, je m'en sers pas énormément, donc j'ai pris celle-là. Puis je vais voir si elle se dilate, si elle part pas trop en lambeaux. Bon, de la sifflette. Du truc. Ah, oh, elle s'ouvre. Désolée d'avance pour le bruit. Là, je fais pause pendant que je l'ouvre. Voilà, je vous ai épargné l'ouverture de ça. Donc, Crafters Square. Donc, de la corde de jute importée des États-Unis. Bon, voilà. Made in India. Bon. Alors, après, moi, j'ai toujours un peu de mal avec la ficelle qui a des bidules au milieu, vous voyez. Un truc comme ça. Après, c'est peut-être plus naturel, hein. On me dira, c'est de la ficelle de jute. Il y a le chat qui. Il y a mon loulou qui. Waouh, waouh, là derrière. Et Jérôme me disait, mais ça le fascine de t'entendre parler tout seul. Toute seule. Alors, je sais pas si ça le fascine, si ça le rend dingue. S'il croit que c'est moi qui deviens dingue, il a peut-être pas tort. Bon, de la ficelle, hein, 3 mm classique. Je l'attendais, je la pensais plus rude, elle est toute douce. C'est étonnant. Bon, voilà. De la sifflette, ça fait 1000 ans que je me disais qu'il fallait que je m'achète de la sifflette couleur jute. Ben voilà, c'est fait. De la sifflette. Et du coton. Du coton. Alors, 2,99€. Il y avait plein de couleurs. Il y avait du bleu, il y avait du rouge. Il y avait un orange brique. Il y avait du rose. 100% recyclé. 100% coton recyclé. 55 mètres, 250 grammes. Lavé à la main. Lavage à 30. Made in Turkey. Ah mon loulou. Donc du coton turc. Voilà. À 2,99€, je vous l'ai déjà dit peut-être. Assez épais, je crois. Ça a l'air assez épais. Mais alors, faut que je trouve un bout. Hihi, ce qui va être compliqué. Donc normalement, c'est au milieu qu'on trouve les bouts. Oui, c'est ça. Yes, c'est bien ce que je voulais. Ah, ça va être sympa ça. J'aime bien. Est-ce que vous allez voir? Donc, c'est pas de la laine. Non, puisque c'est du coton, hein, par définition. Et c'est vachement épais. Et c'est déjà tricoté, en fait. C'est déjà... c'est tricoté, je sais pas comment. Mais pour ajouter sur des créations ou quoi, c'est plus doux. C'est doux. C'est plus doux que la sifflette. Mais j'aime bien. C'est très épais. J'aime bien. Et alors ça, il y en avait... Bon, 3 euros la bobine, hein, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Mais bon. Et il y avait plein de couleurs. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir craquer sur plus de couleurs. Mais après, il faut avoir et la place et l'usage aussi d'en faire. Il faudrait des plus petites bobines, quoi. Alors, il y avait des plus petites bobines de coton. Moins épais que ça. Il y avait du rouge et de l'abricot. Des petites bobines de 30 mètres. Mais c'était beaucoup plus fin. Hein. Ça faisait des petites bobines comme ça. Comme des petites bobines de bolduc. Vous savez, les petites bobines de bolduc qu'on achète pour les fêtes. Sauf que, comme toujours, il n'y avait pas le prix dessus. Donc je lui ai dit, par contre, il n'y a pas le prix. Il me dit, ah ben, je ne vais pas pouvoir vous le vendre. Je déteste ça, je ne comprends pas. Qu'ils fassent des trucs comme ça. Ils mettent des machins en rayon, il n'y a pas les prix dessus, donc ils ne peuvent pas le vendre. Résultat, on le prend en rayon. Eux, ils s'en kikinent, elles le mettent en rayon, on le prend en rayon, on le ramène en caisse. Elle le prend en caisse, elle le donne, elle le jette dans un panier, et sa copine, elle le remet en rayon. Mais oh, sérieux, il y en a un qui a réfléchi dans l'histoire? Ça m'énerve. Hein, loulou? Ça m'énerve. Tu viens dire bonjour, là? Tu viens? Tu viens? Bien, vous voyez, on a un ami qui est venu nous rendre visite. Hein, petit ami. Tu veux pas montrer? Non, il veut pas montrer sa tête parce qu'il est en train de répertorier les poubelles que j'ai posées dans un coin. Tu viens montrer ta bouille. Viens montrer ta bouille. Viens te coucher là, mon lapin. Oh, mon gros lapin. Je sais que tu n'es pas un lapin. Tu es lourd, tu es gros. Tu couches, tu te couches. Regarde, regarde, regarde là, regarde, regarde. Non, tu n'es pas dans le cadre. Tu es nul. Tu n'es pas un chat vidéaste. Tu as une patte dans le cadre. Là, celle-là. Si, celle-là. Si, je te promets. Et là, on voit ta tête. Mais dans dessus, il faut que tu lèves le bout. Regarde là. Regarde. Ah non, avance la tête. On va pas y arriver. Bon, tu restes là pendant qu'on continue. Regarde, loulou. Regarde, c'est quoi ça? Tu découvres avec les gens. Voilà. Puis tu me diras si c'est bien. Alors. Tiens, est-ce que tu as trouvé ça cher? Alors, combien ça coûte? Ah, zut. Désolé. 3,99€. Un bocal en verre. Que je peux difficilement vous montrer parce qu'il y a Loulou là. Si je recule, il tombe sur mes genoux. C'est rien, Loulou. Ah, il y a Mimi qui veut venir aussi. Ça, on va être à trois ici. Bref, un bocal en verre avec un petit tampon encreur noir. Tiens, Loulou. Et des petits tampons en bois. Donc là, on a une étoile. Tchouk, tchouk. Je te tamponne, Loulou. Oui, voilà, tu montres ta bouille. On te tamponne. Pouf. Pouf, je te tamponne le museau. Une petite étoile. Regarde, ça, tu veux. Ça, c'est une couronne de Noël. Tu veux te tamponner à la couronne? Pouf! Une étoile pleine, toute simple. Pouf! Pour tamponner le chat. Bref, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les tampons. On va les compter. Oh, loulou, t'as vu? Tu vas pouvoir jouer. Non, ne joue pas. Faut pas qu'il voit qu'il y a du... Faut pas qu'il voit qu'il y a du... Ça, là. Du caoutchouc, parce que ce chat bouffe le caoutchouc.
Il a failli mourir à force de bouffer du caoutchouc. Il avait trouvé les les vieilles crocs de l'homme dans un placard, et dès qu'on avait le dos tourné, il rentrait dans le placard et il bouffait les crocs. Un jour, on s'est rendu compte qu'il manquait la moitié des crocs, et quand on s'est rendu compte que le chat était malade et il a failli mourir. C'est bien ? Il va bien, tout va bien, à merveille. Un sapin. Un autre sapin. Bah, c'est original. Un bonhomme de neige. Une branche de... sapin ? 4. Allez. Ah bah, il y a le même bonhomme de neige. Ah bah zut, c'est des doublons. Bah, bon, en même temps, je comptais les offrir. Là, il y a deux fois le même bonhomme de neige. Bon, ben, 5. Une branche de houx. 6. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, ça fait... 7. On est où? 8. 9. Une autre étoile, encore. 10. Ah, bah là, on ne sait pas ce que c'est. On verra si on trouve un deuxième tampon qui se banane, mais... On est à 10. La même branche. 11. Une petite boule de Noël avec une étoile, 12. Un chapeau de Père Noël, 13. Ah d'accord, ok. Il y a pas mal de pertes hein, dans l'histoire. Un gant, 14. Une tête de reine, 15. Encore une boule avec une étoile, 16. Un autre petit sapin avec une étoile, 17. Si j'ai pas perdu le compte. Une boule avec un flocon, 18. Oula! Une boule de Noël avec des vagues, 19. Un autre gant, 20. Un petit cadeau, 21. Un flocon, 22. Le bidule chose, hop. Et les perdants sont une autre tête de reine et un bonnet. Voilà, parce que j'ai les trucs là qui ont des petites bobines de fil, mais je n'ai pas les tampons qui vont avec. Voilà. Bref, il y en a quand même 22. Pour 4 euros, je me dis, dans les calendriers de l'Avent, voilà, des petits tamponnages, des petits tampons comme ça, des petits pads. J'en ai d'autres, donc pour histoire d'offrir un pad dans chaque calendrier de l'Avent, puis des petits tampons à droite, à gauche. En plus, il y a des dessins en double. Ça peut être sympa. Hop, 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 hop. Des pochettes. Vous connaissez ces pochettes en plastique, qui se ferment par un petit bouton en plastique. Voilà. Un peu mimi, je ne sais pas encore si c'est pour moi ou pas, pour ranger les papiers quand on a attaqué des collections, pour ranger, peu importe. Celle-ci est très 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 grande, celle avec les citrons, elle est plus grande que les autres, ça doit être du 24-32, alors que les autres c'est du 21-9-7 ou un truc dans le genre. Voilà, 89 centimes pièce, et elles sont toutes au même prix, quelle que soit la taille, à 89. Et 89, j'ai trouvé les motifs sympas, ça change des trucs unis. Elle est où? Elle est là, voilà. Pof, 89 centimes, voilà. Bon, Aladdin, on continue. Aladdin. Collection Isink Glitter. 50 centimes, je déteste ces étiquettes jaunes, j'ai envie de tout arracher, c'est moche, c'est moche. Ici, nous avons des glitters, des petits sequins. Des petites paillettes, là c'est des petites étoiles bleues, les deux, hein. C'est un doublon. Petites étoiles bleues, et là ce sont des, je ne sais quoi, si j'avais trouvé, des ananas. On dirait pas, mais je vous jure, je ne veux pas l'ouvrir, mais ces petits ananas verts. Voilà, bon, 50 centimes, le paquet, voilà. Dans le calendrier de l'avant, hein. Hop, là, plié comme ça, ça rentre dans la boîte, ça pourrait le faire, par exemple. Ensuite, par là, on a quoi? On a des petites broches. C'est pas des pins, cette fois. 69 centimes. Pareil, je pense au calendrier de l'Avent. C'est pas facile de trouver des trucs à rentrer dedans. Ah, mais même le tissu plastique autour, il est sympa. Voilà, trois petites broches. Petite broche avec de petits chats. Petite maison. Une petite chouette pour aller avec la petite chouette de tout à l'heure. Voilà. Art by Marlène, Studio Light. Je sais pas si ça vous parle. Voilà, on arrive au truc un peu fun. Studio Light. Voilà. Art by Marlène, Washi Tape, Limited Edition. Donc des éditions limitées de Washi Tape. Et est-ce que je vais arriver à les ouvrir? Voilà, 1,50€. J'aimerais bien savoir combien ça coûte en vrai. Enfin, en vrai. En panose, quoi.
trois petits washi. Alors, on a... Ah non, il y en a quatre en plus. Ah, je croyais qu'il y en avait trois. Ah ben, il y en a quatre. C'est parce que celui-là est très très fin. Donc, un très très fin bleu, blanc, rouge. Un peu drapeau français d'ailleurs. Enfin, le blanc est un peu trop fin. Il y en a, voilà. Ensuite, on a... I wish. Je l'aimerais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vincent Van Gogh. I wish they would... C'est où? C'est là. Voilà. I wish they would only take me as I am. Vincent Van Gogh. J'aimerais... They would only take me... Qu'ils me prennent uniquement pour ce que je suis. Qu'ils me prennent comme je suis. Ça aurait été tellement mieux s'il l'avait dit en français. Enfin, il l'a dit en français, hein. Il y a à peu près, c'est à peu près certain. Mais si on avait pu trouver un washi qui le dise, lui, en français. Bref, c'est pas grave. Ensuite, celui-ci, qui ressemble à des, comme des petits carreaux de céramique. Et des petites tulipes bleu, blanc, rouge. Très, très patriote, ce petit lot. Voilà. La copine Karen Foster. Karen Foster, Karen Foster, Karen Foster, Karen Foster. Tout à l'heure, on a vu des rubans de Karen Foster. Et là, nous voyons des charmes, des petits pendentifs. Alors, des petites attaches gourdes et des petits pendentifs en forme de fleurs. J'ai déjà une idée pour les décorer. Bon, voilà, pour les pendre à un album ou n'importe quoi. Voilà. Ah, oh, c'est mon ventre que vous entendez faire graou, graou. Lui aussi, la faim. 50 centimes. Allez, on va vite finir, comme ça, après, on va les manger. Karen Foster, des tampons. Des tampons clear, des clear stamps. Road trip, la petite carte, la petite étiquette, sightseeing. Alors, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse du design. Les petites... ça s'appelle des montagnes, ça. Tu devrais savoir, ma fille. Il y en a tous les jours en face de ta fenêtre. Les petites montagnes. La caravane, enfin, le camping-car. La petite voiture. Là. Et la petite caravane, la micro-caravane. À accrocher derrière la voiture, j'ai trouvé ça trop marrant. La collection Road Trip, prendre la route. Ah, hop, 79 centimes. À 50 centimes, 6 petits brats. Alors, je les avais ouverts. Hop, du coup, j'ai l'étiquette devant. Hop, des brats, voilà, des étages parisiennes, bêtes et méchantes. Hein. Voilà. De la collection Hippie un jour, Hippie toujours. J'adore l'idée. Avec le petit logo Hippie, évidemment, le camping-car. Alors là, on a des brads, pareil, des attaches parisiennes, mais des barrettes, donc les plus courtes, grandes comme ça ou un peu plus comme celle-là, n'ont qu'une attache, vous voyez, là au milieu. Et les grandes en ont deux, donc ça peut même servir comme pour attacher éventuellement un mini album, là, comme ça, pof, vous mettez l'attache là sur la longueur et ça permet, je sais pas, il y a moyen de faire des trucs, je pense. Donc là, elles sont vert clair, vert foncé, bleu, violette. Et celles-ci, elles sont pétées de paillettes, mais tellement pétées de paillettes qu'il y en a partout. 50 centimes. Et là, je ne sais pas si vous allez voir les couleurs. Il y a du beige, du blanc, du noir, enfin du beige doré, quoi. Et avec des paillettes un peu bleutées, bizarres. Ça, je vais ouvrir le paquet. Je vais aller dans à la cuisine ou à la salle de bain. Je vais foutre de l'eau dessus pour virer toutes les paillettes qui veulent bien s'en aller. Parce que sinon, on va s'en traîner pendant 18 ans et demi. Voilà. Idée. Là, il donne des idées. Pour souligner des mots, pour décorer des coins ou pour encadrer des objets. Ouais. Je suis pas convaincue par leurs idées, mais enfin bon. Des brads. Alors là, ça me paraissait tellement énorme. Image brads que je l'ai ouvert carrément dans la voiture. Pour voir ce que c'était que ces trucs sur la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, on rappelle à tout le monde, c'est le 17 mars. Et oui, je le sais, c'est une date que je connais par cœur. Allez savoir pourquoi. Et toi, tu sais, mais eux, ils savent pas et je veux pas le dire. Hop, une petite attache parisienne. Enfin, une géante attache parisienne. Hein, ça doit faire 2,5 cm de diamètre. C'est énorme. Mais elles sont trop choupies. Voilà. Alors maintenant, il faut trouver ce qu'on va faire de... Bon, les vertes, le motif celtique, les trèfles, on trouvera toujours. Mais la harpe et le chapeau du Léprochon, si vous faites pas une page sur l'Irlande et sur la Saint-Patrick, c'est compliqué à placer. 99 centimes et c'est un gros tampon clear qui est marqué Believe in the magic of Christmas, croire en la magie de Noël ou croire en la magie de Noël. Un gros tampon bizarre avec des flocons,
Là, des branches de sapin, ça brille hein, pour vous. Des flocons, là, il y a des écritures. Faut voir, parce que ça fait un gros pavé, mais je sais pas, ça m'intriguait. J'en ai pris deux, je trouverais bien quelqu'un à qui offrir le deuxième. Eux, ils avaient peur qu'il pleuve. Donc, voilà, Casey Hart. L'arc-en-ciel, donc, c'est des tampons toujours. Celui du haut, c'est vraiment le dessin de l'arc-en-ciel, intérieur-extérieur, hein, chaque tranche de couleur, il y a l'intérieur et l'extérieur, donc vous pouvez le tamponner, puis après colorier l'intérieur au crayon avec ce que vous voulez. Ou alors, vous venez tamponner ça dessus, mais le top, ce serait d'arriver à mettre chaque couleur sur chaque section. Ça va pas être simple. Ou alors, faut le styliser, quoi. De couper comme ça. Mettre les couleurs, mais du jaune au rouge, mais comme ça. Je sais pas. Un nuage et des gougouttes. Voilà. Ça, c'est à 1,50€, donc ça devait quand même pas être donné à la base. Voilà, 1,50€. Ensuite, Aladine. Pour faire des petites créations pour sa nounou. Super nounou, trop génial. Pareil, des clear stamps, ça c'est top parce qu'ils sont en français. Enfin, super nounou, trop génial. La meilleure, c'est ma nounou. Je peux pas, j'ai crèche. I love my nounou. Et ma nounou est une magicienne avec la silhouette de Mary Poppins. J'ai trouvé ça extra. Et ça, c'était à 99 centimes. Hop, ça n'avait pas de coup de s'en passer. Aladine, toujours à 1,50€. Vous dire, c'est bizarre, il y en a un à 99 centimes, l'autre à 1,50€. Des plumes. Deux plumes. Une plume plutôt classique, une vraie, et une plume stylisée. J'avais pas de plume, ça fait X temps que je cherche des plumes. C'était l'occasion. Qui faisait le larron. Aladine, toujours 1,99€. Le lot. Donc là, on a trois tampons clear et un pochoir. Oula, vous voyez pas le pochoir là, si, un pochoir. Vous voyez par exemple ce qu'ils font avec. Voilà, le pochoir, il est autour en orange. Voilà, ce qu'ils font avec le pochoir. Et les tampons en noir, voilà, par exemple, hein, ce qui est faisable avec. Voilà, bah là, on le voit mieux. Voilà, ça c'est le pochoir. Et les trois tampons. Voilà, l'idée de carte, par exemple. Sympa, je trouve ça super sympa. Et le lot, 1,99€, franchement... Bon. Ah, Studio Light. Studio Light. N'importe quoi. Je me fatigue, je vous dis, je fatigue. 10h30, t'es pas fou, j'en peux plus. 2,50€. Des dies. Un fanion qui va se plier en deux là. Un fanion. Avec un petit. Ça, c'est pour ouvrir là le fanion ou par là, je ne sais pas trop. Et un truc. Avec des feuilles ici. Faudra les faire, puis je vous montrerai ce que ça donne, parce que là, comme ça, j'arrive pas à me rendre compte. Voilà, ça donne ça. Celui-là, donc là. Ah, ou alors c'est un ticket, et là, il est percé pour... pré-percé, vous savez, vous en prenez, gardez la moitié, vous en donnez la moitié à l'autre. Collection botanique. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça, bon, ça fait un petit encadrement, quoi, pour mettre un petit quelque chose au milieu, et ça embosse apparemment. Ouais, ça embosse et ça coupe. Bref, on verra bien. Pour moi ou pas pour moi d'ailleurs. Et Studio Light, encore et toujours, 2,50€ aussi. Alors c'est cher hein, pour du die, mais en même temps, quand on sait les prix des dies de marque, chose que je n'achète jamais, mais au moins, au moins je serais sûre qu'il coupe. Et celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Celui-là, par contre, il est pour ma pomme. Pour ma pomme. Je suis désolée. Il n'y en avait qu'un. Il y en aurait eu d'autres, j'en aurais pris pour vous, mais je le trouve magnifique. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est pas un flocon, c'est pas vraiment, c'est pas un flocon de neige, il y a plutôt une fleur au milieu. Mais bon, c'est un genre de mandala floral. Bref, je le trouve sympa. Voilà, moi je l'ai trouvé sympa. Et donc j'ai craqué. Et donc voilà. Et donc on termine avec trois petites babioles. Ah, alors, Aladdin Kids. Hop, 2,99€. Et là, l'été prochain, il y a de quoi s'éclater avec le bloc d'action que j'ai trouvé à Vinted en tout bleu, là, que c'est très la mer, l'horizon, les tropiques, églou, et il manquait plus que les petites sirènes. Enfin, elles y étaient, ben voilà, on a trouvé les petites sirènes. Les petites sirènes, les pieuvres, les tortues, avec les dice d'action, vous savez, avec la tortue et compagnie, là. Hop, le truc de mer de je sais pas quoi, c'est quoi? L'éléphant de mer, le morse, je ne sais pas. L'hippocampe, les petits coquillages, la pieuvre, le petit poisson, les petits coraux, les petites... sirène, deux tampons encreurs. Bon, ça, les tampons encreurs, j'ai ce qu'il faut. Hein. Mais pareil, ça, ça peut partir dans les calendriers de l'avant. J'ai craqué. Et d'ailleurs, je vous montre quand même. Donc, c'est des tampons rouges.
Voilà, et c'est une plaque, donc en plus à ranger, c'est pratique, et il se démonte, comme ça. Enfin, vous connaissez, si vous connaissez Aladdin Kids, je ne connaissais pas plus que ça, mais voilà, c'est pour enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire pour enfants? On est des grands enfants, nous, les scrapeuses. Voilà, donc bon, pourquoi ne pas tamponner la totalité du bidule, pourquoi pas? Mais comme ça, pouf, tout le truc, mais non, mais c'est fait pour être découpé. Bref, ils sont trop mignons, et c'est fun, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres... J'aurais adoré trouver, je sais pas moi, des dinosaures, trouver des fleurs, des feuilles, des scoubidoubidou, enfin bref. D'autres thèmes, évidemment, je vais pas arriver à le remettre dedans. Hop, je vous ai évité le réemballage. Et on a fini avec ça. Et c'est fini, hurra, on pourra aller manger. J'en peux plus, ça s'entend? Studio Light. Tac, tac, tac. Ah bah zut, j'ai enlevé l'étiquette. Bougez pas. On va trouver ça sur l'autre. Gagné. 1,99€. Hop. Happy Moments. Inspired by Summer. Hop. 260 Pepper Elements. You are awesome. 260 Pepper Elements. Cardstock. Acid free. Tac, tac, tac. 20 die cut sheets. 20 pages de die cuts. Si c'est pas le pied, ça. Et voilà. Eh ben voilà. Free entry, regardez la forme. C'est exactement le die de tout à l'heure. Ah ben voilà. Tu visais de regarder ça. Ah bah zut, ils m'en ont piqué. Hein. Super. Ah, par contre, ça, j'aime rien. Vous voyez, ça, c'est mon doigt. J'espère qu'il en manque pas trop. J'ai pas pensé à regarder. Ils m'ont fait un trou, Yann. Ils ont volé un bidule. Oh, mais j'ai vu de ces trucs. Ils ont éventré de ces machins. Oh, je te jure, j'étais folle. Voilà, des die cuts. Alors, il y a deux pages de chaque. Alors, ils ont éventré qu'une page. Donc, c'est pas dramatique. Ah, yes. Le van. Le bon vieux van Volkswagen. Le Botanical Truck. Ouais, le combi. J'ai un die combi comme ça. C'est sympa. Deux. Hop, page 3. Voilà, là, c'est été. Hein. C'est summer. Hein. C'est été. C'est surf. C'est glace. C'est tong. Hop, des petits sentiments à rajouter, des bannières, il y a de tout, hein. Hop, on continue, hop, je vais pas louper de page, non. Ah, j'aime bien, la bannière, ah yes, la bannière avec les feuilles qui sèchent, comme les feuilles de laurier qui sèchent pour mettre Minou, le petit signe. Ah, ils sont très sympas, j'aime bien. Bon, là, vous avez une abeille ou un bourdon plus gros qu'un cygne et un chat réunis. C'est une grosse abeille, hein. Ah, j'adore ces fleurs. J'adore. Quand je retrouverai le nom, je vous dirai. Les anémones. J'adore. Happy birthday, bon anniversaire. Flower love, thanks. Ça, c'est des fleurs de nénuphar, des petits cœurs. Ah, bon, on a la caravane qui va au dos du van Volkswagen, hein, du combi. Summer vibes, les petits panneaux. Beach house, cocktail, camping car, adventure, surf school, ice cream, enjoy. Le petit cocktail de l'été. You are awesome. Ah, la machine à écrire, génial. Celle-là, elle va aller avec ma collection de... C'est pas Mintes, et je sais plus, ma collection de papier. Parfait. L'enveloppe. Oh, ils sont très beaux. Je les avais feuilletés à la va-vite dans le magasin. Et en fait, je suis agréablement surprise. Je les avais pas vus aussi beaux. Ça, c'est plus pour les enfants. Baby boy, baby girl. Happy Little Moments en bleu, en rose, pareil avec le petit chausson, le petit éléphant, le petit chat, les petits nœuds. Hop, voilà. Et la fin de la fin de la fin de la fin de ce haul, le deuxième. Studio Light toujours, 1,99€ toujours, et plus de 280 éléments en papier. Alors là, on a bien les couleurs qui seront à l'intérieur, hein, des couleurs pastel, d'après ce que j'ai repéré, les saumons, les bleus, des verts. Oula, du saumon, voilà. This is your day. Les fleurs. Ah, attendez, je reviens tout de suite. Me revoilà. Allez, c'est la dernière ligne droite, on a bientôt fini. Hop. Donc, this is your day avec... là, c'est une photo avec une petite dame et des ballons. Des petites fleurs, des petits cadeaux. Il est tout corné, celui-là, par contre. Hein. C'était le seul. J'ai fouillé. J'étais une vraie spéléologue cet après-midi. Hop. C'est marrant parce qu'on retrouve quasiment les mêmes trucs chez Action,
Mais en un petit peu moins. Oui. Un tout petit chouï. Moins waouh. Bref, deux pages. Hop. Rebelote. Alors, à chaque fois, celle-là, c'est aussi un die-cut hein, qui se découpe. Oh là là, il y a des trucs super sympas. Je suis en train d'imaginer ça sur une carte, sur un truc. Ah, petite fleur de myosotis, les rondelles d'orange, la fraise, la mûre, la menthe. Là, il y a de quoi faire tout un cocktail, rien qu'avec cette base. Hop. Bon, par contre, congratulations en anglais, encore une fois. Ah, je veux la glace à la menthe qui est là. Et là, il y a une glace à je sais pas quoi, mais la stretch était là, elle est en train de tomber. Il fallait la mettre comme ça pour pas qu'elle tombe. Ouais, non, je sais, je dis des bêtises. J'en peux plus. Je fatigue. Thank you. Une petite barrière pour faire. Ah, pour mettre avec mes petits moutons qui sautent de partout. Mes petits moutons Stampin' Up. Ça irait bien, ça. Surtout que normalement, ils sont vendus avec une petite barrière que je n'ai pas. Encore un cocktail. Today is special. Alors, si aujourd'hui est spécial, un nœud. Des macarons. Vous aimez les macarons? Ah, je veux faire ça. Ça, un jour, je fais. Un jour, je me paye ça ou on me paye ça pour mon anniversaire. Je rêve de faire ça. 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 Ah, j'en rêve. J'adorerais. Ah ouais, ouais, ouais. Un jour, je fais ça. Oh, il est mignon. Un petit gamin. Hop, allongé sur le dos. Et qu'il y a des petites fleurs que dites sur le petit béton. C'est mignon. Là, il y en a un qui a perdu son doudou bleu, puis l'autre qui a perdu son doudou rose. C'est exactement le même. Il a juste changé de couleur, mais c'est un doudou. Hop. On est encore sur des fruits, des fleurs. Et des scoubidoubidou, avec des mûres et des myrtilles plus grosses que des melons. Soit. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que c'est, ça? Pire, des mûres et des fraises plus grosses qu'une pastèque. Ils sont très très forts chez Studio Light. Ils font des trucs exceptionnels. Oh, j'en peux plus, je suis fatiguée. Allez, hop, une glace, des myosotis, get well soon. Ouais, porte-toi mieux très vite, soigne-toi bien, quoi, guéris vite. La montgolfière encore. Happy birthday. You did it. Ouais, you did it. Tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Oui, nous l'avons fait. Nous avons fini le hall d'action. Bon, nous avons fini le plus long ticket de la planète. Et c'était pas action, c'était nose. Nous avons fini les 2 mètres de ticket de caisse. Regarde-moi ce truc de ouf. Le chat n'en peut plus de voir un ticket de caisse pareil. Il a jamais vu ça. Nose recrute. Nose recrute. C'est où? Là. Voilà, vous saurez, nose recrute. Ah non, on est à l'envers, pardon, hop là, décidément. Nose recrute pour rouler les tickets de caisse. Oh là là, j'en peux plus. Et juste comme ça, pour que vous vous rendiez compte du truc quand même. Alors attendez, parce que normalement on montre pas ça, mais... Juste, histoire de... Hop, où c'est? Total, achat. Voilà. Je m'arrête sur ce gros chiffre. Comme ça, vous vous rendez compte que c'était un gros haul. Je vous laisse. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous. Allez manger si, comme moi, vous crevez la dalle. Regardez ce haul. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous allez faire avec tout ça. Et j'ai mis un post sur Instagram en proposant des échanges de calendrier de l'avant. Il n'y a personne qui m'a répondu. Je suis désespérée. Vous m'aimez pas. J'ai personne qui me regarde. Je fais tout ça pour rien. J'arrête de pleurer. Cette vidéo est déjà 10 000 fois trop longue. Je vais rejoindre mes chats. Je vais en manger un pour me donner la force de me lever et d'aller préparer à manger avant de manger l'autre. Et je vous embrasse fort. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, aimez-vous, dites-le vous, et à très très vite. Gros bisous, à bientôt, ciao, ciao!